Bonjour, eh bien cette semaine, Parashat Shlach Lecha, un texte dans lequel la Torah nous relate un événement qui va être très très difficile dans l'histoire du peuple d'Israël, puisqu'il s'agit en effet de ces fameux explorateurs qui vont partir vers la terre d'Israël et qui malheureusement, eh bien, en revenant, vont faire un rapport catastrophique sur cette terre, vont générer un vent de défaitisme dans le peuple juif, et bien sûr, suite à cela, on va se retrouver dans cette fameuse errance du désert pendant 40 ans, puisqu'en effet, toute cette génération qui, quelque part, a refusé de partir en Israël ne pourra pas y accéder, ça sera la génération suivante. Alors, ce qui est très intéressant de voir, c'est que lorsque ces explorateurs viennent et relatent leur périple, ils rapportent toutes sortes de choses et en même temps, ils disent la chose suivante. Nous avons vu là-bas Bené Anakim, des géants. Et ces géants-là, eh bien, vanehib enenu kachagavim vechen ainu be'enem. Ils le disent de la manière suivante, nous étions à leurs yeux kachagavim comme des sauterelles, et ainsi nous étions perçus par eux. Un très célèbre rabbi chassidique, le rabbi Menachem Mendel Mikotsk, analyse ce verset et nous donne une leçon extrêmement bouleversante. Il dit au fond, qu'est-ce qu'il relate ces explorateurs. Ils disent « Vanehi be'enenu kachagavim » « Nous nous sommes vus nous-mêmes comme des petites sauterelles »« Vechen ha'inu be'enem » et c'est ainsi que nous apparaissions à leurs yeux. Dit le rabbi de Kotsk, c'est tout l'enjeu de notre vie. La perception que les autres auront de nous sera avant tout déterminée par le regard que nous portons sur nous-mêmes. Plus l'individu aura un regard négatif sur lui, plus il se voit petit, non pas dans une démarche d'humilité dans laquelle l'individu sait très bien que sa grandeur ne lui appartient pas, mais c'est Dieu qui lui a donné la possibilité d'y accéder. Non, quelqu'un qui se voit petit, mais vraiment petit, eh bien c'est comme cela qu'il sera perçu par les autres. Une leçon fondamentale. Alors bien sûr, ici tout l'enjeu c'est de ne pas tomber dans l'orgueil. Vous savez que pour la tradition juive, l'orgueil c'est quoi? C'est tout simplement penser que toutes les qualités qui sont les nôtres nous appartiennent. Quelqu'un peut être dans une réelle humilité tout en ayant conscience de sa grandeur et c'est fondamental. Il a conscience de sa grandeur. Mais il sait parfaitement que celle-ci n'est là que parce que Dieu lui a donné un certain nombre de capacités et que lui a le mérite de savoir les utiliser comme il se doit. Regardons d'ailleurs Moïse qui est appelé l'individu le plus humble que la terre a porté. Moïse, Moshe, n'est pas celui qui se dit « je ne vaux rien », bien sûr que non. Il sait très très bien qu'il a une grandeur incroyable. Seulement, il est à l'image de la personne qui est très haute, mais il sait que sa hauteur, eh bien, c'est parce que Dieu l'a placé sur la montagne. Alors voilà cet enseignement, entre autres, des Meraglim. « Vanehi be'enenu kechagavim » Il se voyait comme ridicule, comme rien du tout. Et c'est comme cela qu'on les a perçus. À nous de savoir, à nous d'apprendre comment percevoir la grandeur qui est la nôtre et à partir de cela, nous rappeler qu'elle ne nous appartient pas, qu'elle est là comme étant un cadeau que Dieu nous a donné pour pouvoir faire avec ces éléments dont on dispose quelque chose d'extrêmement grand. Shabbat Shalom.